Monsieur Frèchem, gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Grand point cap dominé actualité. Gros laissé frapper entre équipe Premier ministre Garry Conillon et divers acteurs politiques qui ont même des représentants dans le Conseil présidentiel transition. Suite à un ensemble de décisions que Premier ministre Garry Conillon prend. Eh bien, décision ça yo qui t'apprend à le toucher, qui t'apprend à le rentrer dans 5,50 m. Oligarque corrompu, eh bien, yo commencé à réagir. Eh bien, nous prenons tout détail, nous prenons qu'on est qui sa décision sa yoye et comment Premier ministre Garry Conillon lui-même li a manye question si la. Rete la détail yo a vini. 24 juin kap gen pou vini la, son date, aucun haïtien pa dwe blye, aucun haïtien pa dwe rate, tout moun dwe branche, sa pral passe 24 juin prochain. Compatriote haïtien Frèchem, eh bien pral genye gros koze nan question politique la nan peyi ya, suite à qui ont décision important que Premier ministre Garry Conillon lui-même li pral genye pou le prendre. Dans quelle position Premier ministre li pral pencher balancerie? Rete là, nous pral vin tout exactement qui ça qui pral gagner, qui ça qui pral gagner pour passer 24 juin prochain. Compatriotes haïtiens Frèchem, nous gagnons pays Canada matin là qui bail sanction. Ah oui, Canada sanctionné 3 autres haïtiens. Ou pral konnen qui motif qui est soyé qui ça reproché yo. C'est autant d'informations que nous pral partager avec vous. Jeudi, vendredi 21 juin 2024. Déjà, je vous souhaite au passé un très bon vendredi et déjà un très bon week-end. Compatriotes haïtiens Frèchem, bourrique chargé, pas campé, information nous poté. Bien, compatriotes haïtiens Frèchem, d'autres jeux, n'a commencé émission avec un rappel. Il est extrêmement important parce que jeudi, je vous ai annoncé. Eh bien, nous sous dernière ligne droite là, parce que semaine prochaine, nous pas pour retourner sous dossier Madiane, parce que semaine prochaine, c'est semaine pour Madiane, à l'oua médecin, pour yon faire tout suivi, yon pour le faire opération. Dame sa wap gade là, ou même qui pot kokon ki sa bagay lan ye, eh bien, son femme jom, qui li même depuis nan commencement travail canal là, li te allé, li te comprenne importance canal là, malgré ces deux frontières là li vive, malgré toute activité il t'a mené li lié avec question frontière, avec question jardin, etc. Mais ça pas t'empêcher que si frontière là fermé c'est pour causer canal là, li dit canal là putil pays, canal là putil pays en pleine Bamariba ou yo, li pa gen pour ni al passer en bas fil, ni al faire l'autre coup de maltaye, la vinn bay force, la vinn bay courage sous canal là. Effectivement, depuis le commencement canal là, m'en disant sous canal là avec équipe femme, organisation femme que lui-même il t'a dirigé, yo vini, yo vinn travail, mette ambiance, mette plaisir, qu'est content, non solidarité tête chargée. Et bien journée aujourd'hui, il a fait face avec un tumeur. Il gon boule dans bouche, compatriote haïtien Frèchem qui montait mais hauteur qui nécessitait pour opérer. Et c'est pas la troisième opération. Avril 2023 passé, à compatriote haïtien Frèchem, il était fait deuxième opération. Sous sensation l'année, pour l'en retourner encore, eh bien, nous-mêmes nous dit que s'il a fait deux opérations, assurément, ça arrive que, et il a opéré comme ça. Mais suivi qui pouvait faire, il n'a pas fait. Donc, nous-mêmes nous dit, nous avons collecté, nous avons contribué, ça nous joindre pour nous balayer en $2,000 américains. Pour lui un bon spécialiste qui non seulement a opéré mais qui a fait suivi qu'a bal traitement que calan li nécessité. Donc jodi an la c'est dernière ligne droite là c'est limite pour tout monde qui senti nécessité pour yo ba en route mais pour yo contribuer pour yo aider pour yo faire ça. Donc ou même qui voulait qui intéressé ou même ou senti ça li touché ou ka toujours écrit me relé dans numéro émission pour dire Yannick mais comment m'a contribuer mais qui ça me ka faire mais qui ça me voulait faire et pour m'aider Madian. Donc, m'apten nous, pas hésiter. Relem, écrim dans le numéro émission 3896-3819 pour nous garder qui ça nous a fait ensemble. Compatriotes haïtiens Frèchem, Haïti politique. Bon, qu'on y a, nous rentrer dans la question politique. Et pas de grand. Premier ministre Garry Conillon, l'itomé pour ensemble de décisions. Et décision ça yo que Garry Conillon prend là yo compatriote haïtien Frèchem ka di ou c'est des décisions qui commençaient et mettez ou nous fait parler en pile dans classe politique dans société civile pas bon côté secteur privé parce que chaque domaine chaque bagaille que Garry Conillon lui-même li touché li gen pouwe avec un secteur
li touche intérêt en catégorie moun, li touche intérêt en groupe moun, nan sa sa réaction yo yo en pile. Avant même nous rentrer dans question Gary Koni, li extrêmement important pour nous faire un coup de pied dans pays Kenya. Nous pral faire un coup de pied dans pays Kenya parce que Kenya va ka décider États-Unis pas ka entendre yo pour envoyer Kenya la caille. Nous pour ne pas connait qui ça ka passer la caille yo. Pour ne pas ouais, pour ne pas connait comment policier Kenya ça préparé pour venir ba nous, comment yo même yo gérer citoyen la caille yo. Comment yo même yo gérer question politique la caille yo. Comment yo même yo comprendre question sécurité à la caille yo, compatriote haïtien frère. Pour pas je pas connait oui. Pour pas je pas connait parce que gon bagaille qui les pita pitris. Pour nous pas prendre la dalle. Compatriotes haïtiens frères sœurs, on nous garde ensemble avec moi vidéo ça. Vidéo ça n'a regardé là nous exactement dans pays Kenya. Dans pays Kenya nous y est là et bien c'est dans cadre yon mobilisation depuis censé deux semaines, une semaine et demie deux semaines côté que peuple Kenya yo prend la rue yo exiger par bon côté président kenyan William Ruto pas bon côté pouvoir en place puis bon condition la vie gain des reconsidérations des séries de réglementations qui doit prendre que William Ruto doit faire et président yé gérer peuple prendre des décisions qui en faveur peuple. Eh bien ça n'tendé à là ça n'a regardé à là eh bien c'est la police dans pays Kenya au lieu gouvernement au lieu pouvoir en place li satisfait intérêt population eh bien nous na capital pays Kenya na Nairobi eh bien c'est bombardé nous wel c'est bombardé tout blanc c'est gaz lacrymogène k'ap voyé c'est moun k'ap kouri et nous wè peuple Kenya pa nan grien dan nou yo pa nan grien dan nou yo levé campé yo mobilisé yo pran la rue gaz pa gaz gaz pa gaz bon réponse yo vle bay William Ruto bon réponse yo vle bay pouvoir en place compatriote haïtien frère sœur m'vin avec vidéo si là c'est pour me dire c'est pour comprendre c'est pour m'expliquer que policiers sa yo nou wè ki nan la rue nan pays Kenya là qui a bombardé peuple Kenya avec gaz lacrymogène eh bien c'est même policiers sa yo compatriote haïtien frère sœur que Amnesty International, que Transparency International, que un paquet notre organisation de défense des droits humains à travers le monde là toujours a dénoncé pour violence, pour usage abusif force, pour violence contre manifestants yo, etc. etc. C'est même policier ça yo, c'est même organisation ça yo qui a dit hey, faut que le gouvernement haïtien prenne des dispositions par rapport avec les forces kenyanes qui rentrent en Haïti. Faut qu'ils mettent des balises, oui. Faut qu'ils fassent ceci, faut qu'ils fassent cela, oui. Et nous ne pouvons jamais entendre ni ouais, quoi que ce soit comme disposition, quoi que ce soit comme mise et mise en garde que pouvoir l'État, soit il soit rentré sous Dr. Koni, que yo prend des dispositions que yo ta prend pour yo ta rendre public pour peuple haïtien au moins qu'on ait qui ça yo ka attendre vis-à-vis de Kenya le jour où ta mette point pied dans la coupe pays d'Haïti. Donc ou quoi n'a pas manifesté si fois ça là ou quoi n'a pas revendiqué si fois ça là on force yo dou ka vini pour sécuriser et bâtiment public et faire ceci faire cela. Donc nous te ka comprendre si force ta vinn combat gang nous ta dit bon OK y a vini yo tout dou y a vinn combat gang combat bon mais yo dou c'est sécuriser y a vinn sécuriser bâtiment l'état. Bon kounye a et le peuple a senti yo a bout. Et le peuple a wè nécessité pour yo fouler béton parce que insécurité a nan dégon yo. La richesse a nan dégon yo. Lè n'pral manifester ça yo pral faire nous tout. Bon si peuple la caillou si citoyen si, ou c'est comme ça yo traité les nous même qui c'est moun dehors moun nan dan caillou pas traité yo bien nous même qui c'est moun dehors compatriote haïtien frère donc c'est ça qui fait extrêmement important m'te partager et vidéo aussi là avec vous pour pas dire pas te connaît pour pas dire ou pas au courant de ça qui t'a passé dans pays Kenya pour pas dire pas te connaît laxisme qui gagne pas bon côté autorité kenyan yo qui gagne pas bon côté président William Ruto président li annoncé ou to annoncé et officiellement gagne des canaux de communication qui créé gagne filière qui créé entre Kenya avec Haïti
pour faciliter l'opération, pour faciliter le déploiement, etc., etc. Mais en Haïti, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, est-ce que ministre et communication pas nous en dit nous non? Est-ce que ministre qui est responsable, ministre intérieur, est-ce que lui aborde des questions force multinationales là avec nous? Non. Parce que pour l'instant, il dit ça pour qu'on priorité pour le peuple qu'on est. Ça pour qu'on important pour le peuple haïtien qu'on est. Nous avons besoin de parler, nous allons fouiller la zone à Kalalou pour aller voir ce qui se passe dans le pays Kenya. C'est un moment où il y a chaud. Tête route au chaud. Vous comprenez? Donc, l'important, l'important vraiment pour nous prendre connaissance de série de acteurs qui ont même impliqué dans la vie, nous, chaque jour, bon Dieu, mette, nous prenons pour nous cohabiter, coexister avec eux. Donc, l'important pour nous connaître qui ce qui se passe dans le pays Kenya. Nous gagnons une vidéo, gros amis qui voient une vidéo ça pour moi. Il y a peu important pour nous attendre et garder ensemble avec moi. Et intervention, il y a comme ça. On va quitter commenter pas et puis après, nous prenons discuter sur ça. On va regarder, ok? Nous prenons regarder, nous prenons attendre ensemble. On a. Nous sommes attendre des vieux politiciens cervelle vide qui ont soulevé nous contre nous ou dit nous que c'est miracle. Problème pays. Depuis petit monde m'a suivi pays, me connais exactement qui ça problème pays. Jouer bolette, jouer hasard en général son bagage qui fait mon pauvre. Griner petite sans contrôle ou que nous fait toute vie nous n'a passé misère, nous pas ramka quitter rien pour petit monde puis c'est nous griner trop petite. Nous qui trois femmes. Maman moi milat yo fait bail ça ou non? Pas moi milat a marcher prêcher mon l'évangile pour dire bon Dieu va faire miracle, bon Dieu va venir, Jésus va venir. Pour faire mon yoshita marcher perdu dans un jeune au lieu à l'école et à prendre un métier yoshita perdu dans un marcher dans un jeune pour bon Dieu qu'a fait miracle on pas jamais mon miracle à bas mon boulebolet pour dire mon yo pour y aller prendre chance yo mettre mon sel cabri pour y revenir pour y aller jouer bolet à quoi là non pas mon miracle fait ça non c'est nous même petite de saline nous même petit mon Christophe yo même c'est nous même qui a fait tout ma carte yo qui la cause pays a enterré dans pauvreté. Plus nous avons des petites pauvres, plus multiplier pauvres, plus la misère multiplier. Tout le bagage qui fait mon pauvre, c'est ça qu'on a adopté. Milat par an adopté par ça. Milat a fait des petites. Ça veut dire que si Charles a occupé deux timons, c'est deux timons qu'on a fait. Mais nous-mêmes, nous avons des gouttes, nous avons 10 petites. Ça veut dire que nous avons des misères, mais dans le pays, nous n'avons pas ajouté problème sur problème pays. Pour nous, tout le monde va dans le menu, on va aller mettre dans le menu, on va aller dans le menu. Chaque petit bagage qui a été fait pour nous craser, chaque fois que nous avons compris la vie aux gens qui font effort pour aller vers terre, nous voulons ça le faire. Nous craser ça le faire. Nous juste prenons la rue, nous avons détruit tout ça, nous avons sur nous, pour nous prendre des droits sur tout le monde qui arrive à nos stratégies, de comment nous plaque de riz, nous tous ces gens qui sont payés, toute misère pays, toute richesse pays. Bon, je n'ai pas vivre là comme si pour nous sommes riches. Est-ce que nous vivons dans le monde riche? Nous pas tout le monde qui est riche, c'est discipline qui mettez dans la vie, c'est travail dur, c'est économiser, investir. Nous pas c'est comme ça, nous sommes riches là. Nous-mêmes, nous jamais faire ça. Nous-mêmes, nous pas faire ça, non. C'est détruire, nous détruire tout ça, nous jouer. On ne met pas ces misères, les bâtons sont tikaï. Nous avons si qu'il est pour nous, si mes gaz pour nous passer d'hiver. Si nous avons un petit business, nous pouvons marcher car on gagne pour nous faire magie, pour nous détruire, pour nous détourner, pour nous faire mon pas rien. On ti moun à l'école, l'intelligent l'école, n'a fait magie pour nous détourner tête ti moun pour nous faire vin fou. Et pas milat yo fait ça non, nous même qu'a fait ça. Eh. Ça veut dire que pour n'a pas quiser moun, n'a dit et pas milat yo gen kòb, nous pas gen kòb. Bon nous youn pas d'accord pour youn gen kòb. Pas gen nous qui d'accord pour l'autre gen kòb non. Depuis on nèg commencé fontier fort là, nous 10 nous 20 nous mettons ensemble pour nous détruire lui. Son ti nèg gen deux trois caille, deux trois petit bagarre là pour organiser. Même si nous ne pouvons jamais connaître le devant nous, on kilo cocaïne. Nous, les Américains, pour nous dire que nous devons dire que nous même qui fait ça. Elle dit que moi-même, j'aime caler, m'appeler nous l'ouvrir, je ne veux pas les générations continuer dans la même erreur que nous qui dominons nous depuis presque 220 ans. Depuis nous finissons naissance comme peuple, même si nous sommes dans l'esclavage, c'est comme ça que nous sommes l'un contre l'autre. Nous ne voulons pas l'autre. Elle dit que si nous ne pas entendre nous pour que nous créions. Bon condition pour nous vivre ensemble, pour nous vivre en paix. N'a toujours pas quitté moun. Tout ça nous pas fait, n'a toujours l'autre pour qui la cause. Tout ça nous pas fait dans la vie, nous disons l'autre pour qui la cause. Comme si c'est Milat qui dit nous, démonter les trains qui sont dans le pays, vannio,
vendre aux Dominicains. C'est Milan qui a dit nous, plein de kilos de sacs là, qui t'a produit manger, Albatica nous la donne. C'est Milan qui a dit nous faire ça. Nous pas Milan qui a même. C'est sur tête monde d'un côté. Zoro choyé dans tête monde boutilier, nous pas essayer la route Albatica. Les Albatica yo en l'air, yo pas fouiller la latrine pour détruire sous l'eau en bas monde. C'est nous qui fait ça. N'allez dans vaï côté où il était. Nous bâtissons, nous fouillons la latrine, pour nous aller nous besoin de l'eau pour nous boire, c'est pour qu'on vienne sous l'eau. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, petit Desalino, petit Christophe, qui avons créé un problème pour nous, et puis nous avons prêté de l'eau sur l'autre monde. Tout ça, nous n'avons pas réalisé, tout ça, nous n'avons pas fait. Nous, tout là, nous n'avons pas fait tel bagaille parce que nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas fait nous faire tel bagaille. Nous n'avons pas voulu nous faire tel bagaille. Nous prenons âme, nous n'avons pas acheté tout le monde, alors nous avons battu nos âmes. Nous avons battu nos âmes. Et les gens qui ont battu nos âmes, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons kidnapping pour nous faire quoi pour nous acheter nous. Ça veut dire que moi-même, je veux pour tout pour nous, net à quelqu'un. Nous sommes bonnes mounes épaves qui ne peuvent pas utiliser nous en rien. Si nous ne prenons jamais conscience, si nous ne toujours pas quitter l'autre monde, toutes les autres nous faisons, nous disons l'autre monde qui fait nous faire, rien ne va jamais changer. Génération va nous passer, là, qui est Haïti dans la même misère, parce que c'est nous qui créons des problèmes pour propre tête nous. Il faut que nous prenions conscience de ça pour nous suspendre pointer de nous au monde, suspendre disons l'autre monde qui la cause. Comprendre que c'est façon nous penser la vie qui va bon. Nous pas penser bien. Cervelle nous cervelle tout le monde même bon l'autre bagaille là-dedans, cervelle pas nous, c'est comme si c'est fatra grande. C'est pour nous conscient de ça, pour nous travailler avec tête nous pour nous retirer tête nous redevenir. Bien. Aïssé Frèchom, nous sortons ensemble la intervention compatriote la intervention frère. OK. Moi même opinion pam. Déjà me trouver intervention liant un peu biaisé. Mais c'est opinion, je respecte opinion, même l'homme pas d'accord avec tout ça le dit, mais en partie, je bal raison. En partie, je bal raison. Sous qui point je bal raison? Je bal raison du fait que, après tout temps ça, nous passer, après tout temps ça, nous vivons en réalité, bon bagay qui doit faire. Bon bagay qui doit faire, et ça qui doit faire là, c'est nous qui pour assumer responsabilité nous. C'est nous qui pour prendre des engagements pour nous retirer tête nous côté nous y a. Si nous n'en misère, nous n'en crasse, nous n'en vivre dans conditions qui mal, qui banal, qui sale, qui tout bagay, faut qu'on garde des facteurs déterminants qui kembe nous là, facteurs qui conditionnent nous pour nous là, pour nous sortir tête nous là dedans, pour nous pas continuer là dedans. Mais pendant que li mette tout li les amis ont dit nous prend toute chaîne nous mettez sous de l'autre monde c'est comme si c'est l'autre monde qui la cause et nous créer propre misère nous ou pas travail ou pas lever l'eau pas lever les gens ou chita va faire petit tout chita va grainer petit sous bon Dieu bon sous bon prochain etc. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai parce que bon situation et bon condition pays où y est, même l'État, même autorité, on t'a supposé venir avec une politique publique pour y contrôler les questions de natalité, pour y contrôler les questions et comment on a fait petit dans le pays. Parce que sur un pays qui pas produit richesse, son pays qui pauvre, son pays côté que gain plus chômage. Gen gang ou gen sécurité alimentaire moun pa ka rete chaque jour mon Dieu mettez c'est petit n'a faire lorsque nous pas lever ni lou ni léger ça yo OK nous comprendre question religion question l'autre bagaille yo nous ka comprendre intervention li ya. Mais li ki t'aime pas konnen est-ce que zanmi est-ce que le victime est-ce que te gen moun ki te rail pendant question et manifestation yo profiter yo venger écraser bien le briser bien etc. Mais en dépit de toute ça te ka di ki bon en dépit de toute ça te ka di et qui vérité etc. Mais pas oublier moun sa yo nous même nous pas gagne aucun problème avec moun noir moun mulat moun akob moun sans comme c'est pas ça qui problème non mais c'est arriver faire la part des choses mettez responsabilité chaque moun tracer responsabilité chaque moun gagne classer responsabilité chaque moun gagne est-ce que mulat yo complice dans ça qui passe en dedans pays oui. Est-ce que leur dit 95% richesse pays dans mon petit groupe? Non, oui, mais son vérité, il n'y a pas menti à faire sous yo. C'est pas menti à faire sous yo. Est-ce que leur bénéficie un paquet avantage au détriment de peuple? Oui, au détriment de collectivité? Oui. Mais c'est pas ni jodi que nous, même haïtiens qui majoritaire, nous te doit couper fâché avec pratique ça. Parce que le président américain Franklin Delano Roosevelt, il te dit, il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et permettre à ce que moun ki gen les gens à chaussures centre déchire li te connaît exactement qui ça te vle dit parce que li te dit pi loin te aller
Li di si yo kite moun sa remete tèt yo ansanm, eh bien la pou moun danje pou 28 million moun noa sou tout kontinan Afrikan ki pral pran Haiti kom ekzanp unité, kom ekzanp tèt ansanm, pou yo menm pou yo ka leve kap et tout, pou yo menm pou yo ka lib tout, pou yo menm pou yo ka jere peyi yo, pran gran desisyon pou peyi yo, etc, etc. Mais yo te konnen pou ki rezon yo te til. Eske nou ka kontinye a viv nan peyi kote ke nou gon secteur privé qui a bénéficié franchise, qui a bien passé, qui a bien vive, qui profite, qui contribue à la classe de production nationale, et puis pour nous pas qu'à dire. Pour nous pas qu'à dire, pour nous gagner pouvoir public là qui contrôlait, nous gagner l'État qui contrôlait en bas mes oligarques, pas même parler de international, parce que t'as parlé de mulat, l'on dit mulat en Haïti, l'on dit mulat, c'est comme si tout fait catégorie, oui, mouna ou mouna bas. Parce que réalité en c'est salié. M'pa vinn pran problème grand gros problème et pa ka manger problème toutou ni pa ka voye ti moun l'école pou mete sou do mulat. Parce que nous gen l'état qui en place, nous gen pouvoir public qui là, c'est pour ministre, premier ministre, président, c'est pour mettre grain nan dada yo pour assumer responsabilité yo. Mesdames femmes yo qui dans l'état maré quand son nous dans taille nous bien serré pour nous dire nous pral nous pral soulager, nous pral porter solution à problème pays yo. Mais nous pas qu'à déresponsabiliser tout. Nous pas qu'à déresponsabiliser complicité. Moun sa yo après les mulat, moi même parler les mulat parce que pour yo pas dire et n'a fait distinction sous moun couleur etc. Non, non, c'est pas ça. Moi même préférer les oligarques avec ratio. OK? On dit le consapito. Mais oligarques qui ont participé, non mettez nous là. Yo contribuer nous mettez nous là. Pour qui ça gagne en pile nan yo qui gagne t'a pleve griffio, tout griffio qui t'a poussé par rapport avec ensemble de décision que premier ministre Gary Koni li t'en main prend là. Pour qui ça? Est-ce que nous comprenons? Donc citoyen en partie li gagne raison, en partie d'accord avec lui. L'elle vient avec question religion, l'elle vient avec question fait ti moun n'importe qui gen etc., etc. D'accord avec lui. D'accord avec lui. Mais pigal chercher déresponsabiliser mulatio, je le dis comme si c'est n'a cherchons un bouc émissaire, n'a cherchons un monde pour nous attaquer alors que yo pas fait rien. Non, yo complice, yo coupable. Yo gen degré de complicité dans ça n'a vivre journée jodi. Donc pas qu'on est qui ça zanmi en te veut faire passer et comme frustration mais quand même, il a essayé et li essayé, li rivé, li atterri, il capable atterri sur tout monde même gens, mais ça te voulait faire passer comme message, li fait passer. Compatriote Haïtien Frèchèm, n'avance pas gè kapé. Nous gagnons premier ministre Gary Koni qui prend un ensemble de décisions. Gè moun qui dit premier ministre là et gouvernement pral en vacances. Gè l'autre qui dit que c'est même pratique PHTK que Gary Koni retourner avec yo et même Jean-Ariel Henry te fait. Gè l'autre qui dit tout premier ministre Gary Koni, il pou konn nan ki sal rentre la, il pou konn nan ki ni gap li pran. Mais en réalité, le nou ap gade bien, compatriote Haïtien Frèchèm, nou wè ensemble de décisions que premier ministre Gary Koni li pran la, c'est des décisions qui a plus ou moins edel. Edel nan ki sens, et déjà faut nou commencer li sa ki di nan décision si la yo. Premier ministre Gary Koni vle pran contrôle total administration publique lan. Aucun ministre pa gen autorisation pour prendre rendez-vous dans moment ça, pour voyager à l'étranger. Ministre doit informer premier ministre là et puis bail document qui prouve urgence voyage là. En plus de ça, intervention publique ministre doit limiter dans domaine activité yo défini dans circulaire 001. Et même Jean tout premier ministre Gary Koni li interdit. Li interdit toute nomination. Dans moment là, pas qu'a gagne aucune nomination que ministre fait sans que premier ministre li pas approuvé. Ça c'est une deuxième bagaille, leur parler ministre doit rester dans intervention publique dans domaine que yo y a et nous connaît gagne diverses institutions publiques là. Puisque ces institutions côté que l'argent brassé pour question assistance sociale, eh bien, il y a un ministre, un directeur général qui prend plaisir à graisser, mais on comprend, à payer bandit, à payer groupe gang, soit pour quitter l'activité faite dans la zone côté ministère, la direction générale, positionner tout ça. Eh bien, Gary Koni dit non, pas de bagarre comme ça.
Si gon décision qui prend, faut que li gen pour avec domaine d'activité ya. Ou pas qu'on nique journée jodi pour on nique écrit un ministère pour dire ministère là on institution autonome organisme autonome pour dire que et ou écrit là ou besoin subvention ou besoin petit cob pour tel programme pour tel projet. Non, non. Premier ministre Gary Conille il campé toute bagaille ça yo. L'argent pas sorti dans caisse l'état n'importe qui gens. L'argent pas décaissé dans caisse l'état n'importe qui gens. Mais gon bagaille gon décision extrêmement important que premier ministre Gary Conille prend. Le fait que l'interdit nomination ça n'est pas passé par lui-même, pas oublier mon ensemble de ministres qui ont même ces acteurs politiques, ces joueurs politiques qui mettaient. Donc, par exemple, le gâteau a été séparé. Et petite Dessaline Moïse Jachol, il y a moun pal, Claude Joseph gen moun pal, nous gen collectif 30 janvier qui gen moun pal, nous gen Lavalas qui gen moun pal, qui gen ministre pal, nous gagnons divers lots conseil président, nous gagnons moun 21 décembre, encore 21 décembre qui gagne moun pa yo. Mais dernier coup de crayon que t'as pral fait, peut-être qui a alerté l'équipe premier ministre Gary Conille, comment tu as dit ça, c'est franchement nous sérieux. L'on prend monsieur encore 21 décembre yo. SDP a tout allié yo. Sous Jovenel Moïse, André Michel a tout équipe li. Monsieur Toutouni, Pascal Adrien, Jean-Michel-Baptiste, yo te tellement hostile sous Jovenel Moïse, son bagay enrangé, son bagay tête fait mal. Tête fait mal net. Le Ariel Henry fait monter, ok, André Michel, il était tout entré dans le pouvoir. N'après exemple de Monsieur Toutouni, yo te, non premier temps, yo te campé en face à Ariel, yo a dénoncé Ariel, Ariel son mauvais gère, Ariel doit aller à la disposition de la justice, parce que Ariel impliqué dans tout le Jovenel, Ariel doit démissionner, on titan, yo relé yo dans le pouvoir, yo gete fermé bouchon, yo a défendu Ariel. Pendant plus que 30 mois, il a passé dans le pouvoir avec Ariel. Il a bien passé. Vous comprenez? Il a bien passé, il a joué, il a soussé Mamel. Et puis, je vous dis à Premier ministre Gary Conille, il est rentré. Dans le Conseil présidentiel transition, à 21 décembre, il y a Dr. Louis Gérald Gilles qui représente. Mes amis, Dr. Louis Gérald Gilles, à 21 décembre, c'est yok bay ministre Santé publique, Brignol Fils. Eh bien, Premier ministre Gary Conille, il prend décision ça mercredi. Il prend décision ça mercredi. En mardi, compatriotes haïtiens frères chèm arrêté. Yo gete prend toute disposition qui est yo nommé comme directeur cabinet ministre santé publique là, Joshermi Jean-Baptiste. Automatiquement, yo fin fait choix de citoyen, eh bien le lendemain Premier ministre Gary Conille, il prend la disposition, aucune nomination par doit être faite sans que le pas au courant. Quand il y a mes équipes, petite Dessaline Moïse Jachal, qui lui même le ministère de l'Agriculture, nous avons envoyé bail. Tout le monde qui prend le gain pour faire partie de cabinet ministre est sous table. Nomination pas qu'à faire, faut que Premier ministre Gary Conille au courant. Faut que Premier ministre Gary Conille ait autorisation. Parce que yo dit trois moun korompu rentre dans pouvoir nan do Gary Conille, Gary Conille vle gen contrôle administration publique là. Nomination moun Moïse Jean-Charles pa ka fèt. Soit attendez à la petite Dessaline commence à bougonner. Yo pas comprendre comment premier ministre Gary Conille fait interdit pour ministre que yo mette dans pouvoir nommer moun yo voye pour faire partie de cabinet ministre. Pour faire partie de cabinet ministre yo choisi yo. Donc, automatiquement, tac au tac, automatiquement, son question de fok et Gary Conille le plus rapidement possible, li retourne sous décision, ou bien, moun ke ap choisi Gary Conille pas gagné pour questionner, ou bien pour interdire choix moun zay automatiquement, c'est moun politique que yo voye qui pour faire partie de l'équipe ministre que yo mette. Donc, ça veut dire, on prend l'administration publique pour on savane, on reprend, pour jouer, pour tirer, pour jouer à pilio, moun yo vle, c'est coincé, moun mette moun dans l'état. Koun yo pral vin poser tout question, qui intérêt là que le premier ministre est censé gagner? Là, il dit, yo a bloqué, yo a fait seulement 14 ministères fonctionner, et 14 ministres, yo a pris 18 ministres, a toujours gagné 18 ministères, mais a fait fusion, etc. À quelle fin? Si yo toujours a coincé, moun mette moun dans l'administration publique là. Donc, Gary Conille dit, pour l'instant, il prend contre l'administration publique de manière ouverte et pas de aucun monde qui a empêché de contrôler ce qui a passé dans l'administration publique dans la question de nommer les gens. Mettez les gens dedans l'État. Bien, là, nous avons une phase 1. Quand il y a une phase 2, que pile monde a critiqué,
comme décision Premier ministre Gary Conille prend, c'est question retraite là. Gouvernement Premier ministre Gary Conille là, il a préparé là pour aller en retraite. Gen moun ki di retraite là c'est vacances yo pral prendre pour aller manger, reprendre al bien manger, petit déjeuner. Pour y aller bien manger, petit déjeuner, dîner, souper, reprendre bien passer tout ça. Mais si n'ap suiv aspect et technique dans décision, faut gagner une cohésion dedans gouvernement. En dépit du fait que gen kòb ki pral dépenser tout bon, comprendre, mais faut gagner une cohésion. Pour qui ça? Parce que journée jodi an la, combattre sécurité, c'est pas seulement la police, c'est pas seulement la justice, mais on a besoin ministre affaires sociales là pour intervenir. Est-ce que vous comprenez? On a besoin ministre intérieur là qui pour intervenir. On a besoin ministre santé publique là qui pour intervenir. On a besoin ministre et affaires étrangères là par rapport avec coopération judiciaire internationale qui pour intervenir. Donc ça veut dire faut en dedans gouvernement bon cohésion. Chaque monde pas besoin d'être dans campayo dans bon payo à faire affaire payo. Faut nous ca familiariser nous, comprendre? Faut nous ca familiariser nous, youn ca parler à l'autre, nous ca aborder l'autre tout ça. Ça c'est aspect technique là. Mais nous pas oublier dépenses l'argent ça pral coûter en réalité fait li au final pendant plus que 30 mois réel passé nous pas voir aucun résultat. Mais nous après t'étonne même là nous maintenant même quoi ça qui grave là. Nous tout dit tête nous n'y a pas venir faire un sérieux. Mais quelque part au plus profond de nous même n'a dit si on était capable résultat. Moun yo fait nous en opposition avec même nous même parce que nous connaît déjà son gouvernement qui entre guillemets qui capable régler rien de convaincant vraiment parce que résultat palpable nous poko réaction concrète véritablement qui prend parler assez une agir en son lot. Est-ce que nous comprenons ça li important pendant nous attendre pendant gen moun qui a dit ah y'a capable régler rien oui mais n'attendre que font bagay donc c'est ça moi même voulais que premier ministre comprenne n'attendre gon bagay qui fait. Même le à 200% nous pas croire que gouvernement ça ca régler un bagage qui sérieux dans moment nous y là parce que gens yo parti trop pas là bas fait trop parole à fait mais n'a pas nos bagages nous voulons bagage nous voulons un résultat yo commencer à tirer. Et bien compatriotes haïtiens frères chers faut moi dis nous premier ministre Gary Conille et bien lui-même et lui rentrer, li débarquer dans ULCC. Débarquer premier ministre Gary Conille débarquer dans ULCC compatriote haïtien frères chers et li était al faire des déclarations, non seulement li al faire des li al faire état des lieux, li al prendre connaissance de différents dossiers qui importants. Est-ce que PM nan li a tout profiter prendre en considération dossier FNU hein? Directeur cabinet qui nan qui nan corruption, qui nan détourner l'argent diaspora, ça est important. Mais premier ministre Gary Conille, il fait des déclarations qui sont extrêmement importantes, qui nécessitent pour nous tendre ensemble et comprendre plus bien des engagements que le gouvernement dit au même pari, autant même pour prendre pour le peuple haïtien. Fini une première réunion avec les organisations étatiques qui impliquaient d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui est efficacité, efficience de l'État. Combattre corruption, donc nous avons là avec moi, ULCC, UCREF, CNMP, DCPJ, BAF, Cour supérieure des comptes, entre autres. Nous avons avec nous tout le ministre de l'économie, le ministre de la justice. Et évidemment, ça suit l'installation, nous fait jeudi, le ministre conseiller qui est responsable, garder à faire comment épurer, comment nettoyer, comment combattre corruption dans l'État. Nous devons faire ça bonheur dans le mandat nous, pour une raison très simple. Nous avons des crises haïtiennes, nous avons généralement problèmes sécuritaires, nous avons problèmes humanitaires, nous avons problèmes de relance économique. Là. Mais fondamentalement, ça c'est l'État qui n'est pas arrivé à livrer, qui n'est pas arrivé à faire service, qui n'est pas arrivé à jouer un rôle. Comme généralement, on va attaquer mal la son pas attaquer maladie. Nous tous nous connaissons que fondamentalement, qu'on problème de mauvaise gouvernance, de corruption qui est enracinée même la structure étatique là. Bien que nous avons pile en pile, et nous avons dit ça tout à l'heure,
nous avons pile d'employés de l'État qui font un travail extraordinaire, qui dévoué, qui dédié, qui vit dans le travail tous les jours. Mais poche ou gain qui continue à animer, nourrir, perception, corruption, rend l'État complètement inefficace. Mais beaucoup plus que ça, le même gars des succès transition, moi dis moi que pas de succès transition si pas un accompagnement continu entre population, peuple et gouvernement. Et pour ça, donc, faut nous recréer confiance population, dans le gouvernement et dans l'État. Faut la population vraiment avoir le sentiment que son l'État qui travaille pour lui, pour améliorer les conditions pâles. Son l'État qui a dépensé chaque goutte, chaque centime en bon père de famille et de façon responsable. Son l'État qui n'a pas gagné tolérance, qui n'a pas toléré impunité pour les gens qui font ça pas ça avec matériel l'État, avec bien l'État, avec l'argent l'État. Faut que la population ait un sentiment que l'œuf baille contribution, que la contribution l'a bien géré et que les gens qui ont géré l'État a tenu responsable pour ça au fait avec bien l'État. Succès transition, que ce soit au niveau des élections, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la relance économique, il y a dans tout à rétablir confiance ça. Approchons l'autre type de gouvernement, de gouvernance et de gouvernement. Donc voilà pourquoi nous sommes capables d'accompagner là et nous se font bonne heure et plus de discussion. Côté nous font tour de table, nous tendez sa expérience, dis-nous. Nous tendez sa expérience, dis-nous en termes de qui ça qui marche, qui ça qui pas marché. Côté bah yo bloqué. Qui ça qui fait que malgré le fait que nous gagnons toute institution ça yo, il y a très peu de conséquences pour des actes d'abus de l'instrument de l'État. Il fait des recommandations très très claires de bail que nous entreprenons tout de suite et très rapidement pour améliorer les circonstances et fonctionnement, efficacité, efficience de l'État. Et dans les prochains jours, nous allons prendre une série de mesures justement pour nous assurer que bail ça a changé. Une bail nous a aimé, c'est que le transition ça a fini, nous quitter ça nous joindre en meilleures conditions, mieux appropriées, plus solides pour qu'à continuer à faire travail. Moi quand dit nous là déjà m'apprendre moins compte que jusqu'à 30% de personnel l'État a touché comme l'État et pourtant il y a pas en fonction, il y a pas là. Ça c'est des bagages que n'a pas obligé corriger immédiatement. Et nous allons prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je dis que déjà, nous avons trouvé certains abus dans certains domaines bien spécifiques dans lesquels, sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engager, par exemple, pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, là, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Nous avons dit là déjà que nous pourrons prendre des dispositions pour nous interdire l'administration, mettre le système en place pour collecter l'argent qui n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est une disposition que nous allons prendre tout de suite. Technicien qui DM nous dit que le conseil de cadre légal qui déjà tout paré, qui est entré en mesure très rapidement, nous pourrons prendre mesure pour sa fête le plus rapidement que possible. Nous avons dit que nous pourrons prendre disposition pour nous adresser problèmes et purement payroll dans l'administration. Nous allons prendre disposition tout pour assainissement, distribution, carte de débit. Ça, c'est des bagailles que nous avons fait tout de suite. Sur une base un peu plus moyen terme, nous allons aller travailler sur une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et là, en cas de préparation, ça, on a invité la société civile là pour le bail opinion, pour jouer Wally, pour faire contribution. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. Et nous allons développer une cartographie, une matrice nationale des risques et des actions ciblées pour mitiguer selon le niveau d'impact et de vulnérabilité. Ça veut dire que la PCE comprend côté gain plus gros risque de corruption, côté nous gain plus habitude gain problème yo, pour nous mettre en place une série de dispositions pour ça pas fait encore. Je pense que c'est déjà un premier pas significatif pour lancer un signal très très clair
que ça fait partie de bail que nous allons approcher de manière très déterminée. Déjà, ça me content. Ouais, je dis, c'est que j'ai des techniciens très, très avisés qui font un travail remarquable. Et si vous avez l'appui et la capacité qu'il le faut, je n'ai aucun doute qu'il y a livré ça et doit livrer. Moi, je vais dans la discussion, je fait à un engagement sans fort pour nous combattre la question de corruption aussi loin que nous devons aller pour que les gens qui tenu imputable et que finalement l'État haïtien servit le peuple haïtien. Donc, c'était un peu le contexte de discussion. Ça, on a rappelé que semaine, ça, nous passons un moment là, CEP, parce que la question électorale est importante pour nous. Nous visiter le conseil électoral, là, nous rencontrer staff là, on a commencé à prendre des dispositions pour avancer sur le dossier ça. Nous apprenons tout que nous n'avons pas avancé sur l'affaire sécurité. Hein. Nous faisons plusieurs rencontres en ce sens, en mettant en place les dispositions qu'il faut pour que rapidement nous commencions par la population satisfaction sur tout ça. Semaine de mai, vendredi, samedi, tout le gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route, actions concrètes qui consistent avec accord là, qui permettent nous voir exactement côté nous pour aller sous les grands chantiers. Mais tout aussi important pour nous, c'est que nous avons l'État qui reflétait, j'en ai dit la première fois, dignité peuple haïtien, conviction peuple haïtien, résilience peuple haïtien, générosité peuple haïtien. Je pense que le haïtien, le gouvernement, qui reflétait mon lié vraiment. Et ça, son premier démarche pour nous capables de satisfaction ça. Voilà. Compatriotes haïtien, frère Somme, nous attendons le premier ministre, Dr. Gary Conille, qui lui-même, il t'a parlé sur un ensemble de décisions et à court terme, à moyen terme et à long terme, non, peut-être ces questions élections li soulevé hein, et pour pays d'Haïti. Et c'est ça, et c'est là nous attendons premier ministre. Voilà, c'est là nous attendons. Parce que ou parler ou dit mais qui ça ou envisager fait. Là on met pays à au courant mais qu'on y a fin envisager fait, qu'on y a c'est fait. Pratique puis Dieu c'est fait. C'est prendre des dispositions ou pas qu'a gagne administration publique ou pas qu'a gagne l'état qui là pour bailler service à population et pour arriver dans DGI si DGI gè 100 moun k'ap travay gagne par exemple soit bon ouais on mette 70% gagne 70% moun qui vinn travay et puis 30% rete la kali chaque mois l'ap touche qu'est-ce que ça veut dire qui les mais qui modèle l'état ça nous pas qu'a gagne l'état corrompu comme ça nous pas qu'a gagne l'état tout vous me c'est droit non faut gagne des dispositions qui prend question code de débit à travers ministère, à travers direction générale, et même pour la police, il faut qu'il y ait des contrôles qui fait. Ça est extrêmement important. Moi, je me suis dit qu'on y a parlé et qu'on ça, le ministre a parlé comme ça. Je me dis, bon oui. Je me dis, voilà, ça aussi un ensemble de décisions que, bon, il y a beaucoup d'action. Ok, ça un ensemble de projections. On me dit comme ça. On me dit comme ça. Parce que, je ne vais pas entraver tête. Moi, vous comprenez? Ça un ensemble de projections. Que le gouvernement yo même yo affiché etc et par la suite pour yo réaliser c'est réaliser yo qui dit qui choy c'est comment se poser action qui dit qui choy parce que même Jean faut moi dit nous et premier ministre Gary Conille gon point extrêmement important que li décide toucher question franchise. Question franchise ont ensemble davantage que l'église catholique bénéficier ensemble davantage que secteur privé en paquet acteur dans secteur privé a bénéficié franchise yo te gen qui en renouvelé j'ai fermé l'état pour renouveler parce que yo gen zanmi yo c'est directeur douane c'est yo fait date etc. Eh bien Gary Conille ak ekip li yo konté réviser font révision dans question franchise parce que d'où qu'est-ce l'état toutou ni pas vraiment gen cob non seulement première action levé li décide réduire et question ministériel réduire question ministériel pour au moins pour te gagner comme dans l'état mais qu'on y a nèg choisi en façon pour contourner Gary Conille dans coincer moun mettre moun dans administration publique li prend décision li dit que ou pas ka nommer moun n'importe qui gens mais qu'on y a pas oublier compatriote haïtien frère Somme. C'est vrai acteur politique c'est yo k'ap mené c'est yo souterrain k'ap mené bataille politique mais derrière chaque acteur politique gen oligarque corrompu qui gen des contrats que le besoin bénéficier qui gen franchise que l'a géré qui pa vle perdre avantage. Donc le Gary Conille il dit que ou pas ka nommer moun n'importe qui gen dans boîte l'état sans lui même li pa ba approbation ou pensez oligarque corrompu ou pensez nèg yo prend ça bien pas prendre bien
Jusqu'à ce que ces deux possibilités, un, yon cherche un entente avec Gary Conille, deux, yon fait tout ça, yon connaît si Gary Conille rete sous décision et choisi pour honnête, pour crédible dans sa ta fait dans décision le prend yon, pour yon ta fait tout ça, yon connaît, pour yon chavire Gary Conille. Ah bon? Jovenel Moïse, nous parlons de te commencer à un dossier franchisant, j'ai yon te saccagel. J'ai yon te démentibi le président Jovenel Moïse. Eh bien, compatriote Aïssé Frèchem, pour un pile monde, c'est la décision que le premier ministre Gary Conille prend et qui suscite un petit recul pour yon ouais, pour yon balon petit temps, pour yon ouais, qui sa le bras le délivrer comme marchandise. Même le gars, pile l'autre monde dit nous qui pas quoi, mais qui espéré. Yon pas quoi, mais yon espéré. Compatriote Aïssé Frèchem, hier, c'était, yon te prévoit faire installation Ramon Normil comme nouveau DG PNH. Pour une raison, côté que le premier ministre n'est pas disponible, il a reporté, et pour aujourd'hui, matin, bonheur, premier ministre Gary Conille présent, et CP là, etc., pour yon installer. J'ai la police, Rameau Normil. Compatriote Aïssé Frèchem, et extrêmement important, installation Rameau Normil là, et est-ce que ça c'est un bagage, est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un bagage qui pral inciter et garder qui est content, la joie, etc.? Non, c'est pas parler, c'est action. Agis pour n'agir, petit monsieur. Mais nous pral font une expérience avec tout coûte. Et en 29 ans PNH a gagné. Si vos amis qui connaît en 29 ans combien DG la police PNH a passé, quoi faire moi? Ou a écrit le commentaire, m'da bien remè qu'on est. Est-ce qu'on connaît combien de GPNH n'a gagné passé dans cette institution en 29 ans? Donc, on nous a regardé avec moi vidéo ça. Là, compatriote Aïssé Frèchem, nous avons regardé différents et portraits, différents et photos. Nous avons regardé qui encadré là. Mais est-ce qu'on connaît Mounzaïo? Est-ce que vous connaissez? Ah ben, si vous ne connaissez pas, vous m'avez dit qui est sur vous. Ok? On finit quitter le passé et puis on retourne. Et puis on a le bail détail. Regardez-vous bien. Regardez-vous. Ok? J'ai dit Michel-Ange. Bon, on retourne. Parce que l'antigen long, on retourne. Là, nous gagnons premier. Là, nous gagnons premier directeur général de la police, qui c'est M. Fourel Célestin. Directeur général de la police, compatriote Aïssé Frèchem, il a une histoire, lui. Il a une histoire. Premier directeur général de la police, qu'on est, le la police, elle crée en 94. Mais après, nous avons un nou, petit bilan pour chaque. Ok? On va se. Nous pour un. Nous gagnons un deuxième directeur, là. Monsieur Denis Zépierre, deuxième DG. Nous avons troisième DG, Monsieur Lucien Jean-Esli. Quatrième DG, Jean-Baptiste Jean-Claude. Cinquième DG, Faveur Jean-Aubert. Nous avons sixième DG, Jocelyne Pierre. Seule femme qui passait dans la tête la police comme DG. Oh, Avaléon Charles, septième. Nous avons Marion André Sol comme huitième. Nous avons Godson Aurelius qui passait tout comme DG 9e. Nous avons Michel-Ange Déon qui passait comme 10e. Nous avons Normil Rameau qui passait comme 11e. Nous avons Léon Charles encore qui passait comme 12e. Nous avons France LB qui passait comme 13e. Au total, la police nationale d'Haïti de 94 à 2024, li connaît 13 directeurs généraux. Bon, qui pral tourner et vingon l'autre là, qui a fait au total 14, parce que chaque yon retourne, yon remette, yon réinstalle photographie yon qui pou ba ou parcours directeur général qui passe dans cette institution la police. Chaque moun sa yon nouwe la, l'gon histoire. M'songe premier DGA, Fourel Célestin, et Citoyen ça, yo condamné, il était dans prison aux États-Unis pour en question de trafic stupéfiant pour petit poudre là. Yo t'ai arrêté. Nous gagné, bon,
Nous gagnons, bon, par exemple, Godson Aurelius. Godson Aurelius, yo même tout, yo te arrêté. Après, DG a fini quitter tête PNH, yo arrêté pour une question trafic ZAM, et quitter rentré, bateau ZAM, etc. Et cargaison ZAM, yo te arrêté. Nous gagnons, Léon Charles lui-même, Léon Charles, li gen dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous gagnons Ramon Ormil lui-même dossier et Fantôme 509. Nous gagnons Francel B bilan catastrophique. Mais là nous avons gardé tout directeur général ça Mario André Sol etc. Chaque monde gon histoire, chaque monde gen lo et déception yo bilan catastrophique par une façon par une traîner derrière yo. Mais honnêtement compatriote haïtien frère Chom, mon dernier DG la police s'est passé qui c'est France LB. Franchement, c'est nèg qui passe dans tête la police qui pi idiot, qui pi paraît incapable, qui pi paraît inutile, qui pi paraît nul, qui pi paraît toutes sortes qu'a joindre comme adjectif pour décrire incompétence France LB. Plus que 500 000 moun qui te kayo. Tande oui? Ou genye près de 230 policiers qui fait voile pour payer son chapeau. Ou genye compatriote haïtien Frèchem, ou genye un paquet de commissariat sous commissariat bandi attaqué, mette du feu boule, pillé, rapiété, prison qui krasé, prison bandi démoli, nan boule figi LB. Et puis LB pral fè boule figil bien dit là pour le dou je pars avec le sentiment du devoir accompli. Moi même c'est une expression, c'est une mot sophrage chaque connèg dans la coupe pays d'Haïti dirigeant dit yo lever plume sous l'homme. C'est comme si l'on a regardé bilan nèg yo, les nèg yo vini yo dou comme ça. Yo a quitté fonction avec le sentiment du devoir accompli. On pose ta question. Qui ça tes devoir pas là? Qui sa te mission parlant? Le sentiment du devoir accompli. Mais qui sa te mission? Est-ce que mission LB, compatriote haïtien Frèchem, c'est pour te craser pays? Pour te fin craser institution la police? Non, qui sa te mission LB? Qui sa te mission? Moi même t'arrive me connais. Chaque nèg qui passe, yo krasé pays, yo krasé l'État, yo pas arrivé dégager rien comme solution. Et puis au dou yo pralé a quitter poste avec sentiment de devoir accompli. Moi même si c'est moi qui t'a vinn après nèg za yo, franchement là t'a campé pour dire je pars avec le sentiment du devoir accompli. Même là t'a dit faut qu'on gagne et politesse, faut qu'on comprendre ou supposer qu'on gens pour traiter et homologue ou non cérémonie ou anniversaire t'a kayam. T'a dit quel devoir, quel sentiment accompli hein? T'a dit quel sentiment accompli. Nous t'a vinn fon bagay. Donc, dis soit t'as une femme, qui mission t'as rien. Eh bien, voilà. Donc, et LB comme 13e DG la police, ça qu'on est. Jodi, officiellement, le parle encore. Et Ramon Ormil, après, France LB, eh bien, Ramon Ormil, il a installé en 14e et DG la police en 29 ans. On y a posé ta question. En 29 ans, est-ce que c'est bien travail, n'est-ce que tu as bien travail, qui fait que, et pas gagné. On n'a pas plus que 13 DG qui passaient déjà. Ça passait, ça crivait. Mais bon, nous qui ça bagaille là. Directeur général, yo, dans le dernier temps, c'est l'ivino pratique. Parce que Parlement, c'est le job qui a fait. Oligarque qui a contrôlé l'État, oligarque qui a contrôlé la police, tout ça. L'ivino paraît un peu difficile. Pour qui raison? Parce que l'on est président, il pas entendu avec le Parlement. Li ka choisi un directeur général et puis yo pa approuvé, yo pa voté, yo pa ratifié. Donc li vin un ti jan drôle. Le conseil président Nick, li nomme un directeur général par intérim. Kounya directeur général PNH, mwen kwè yo genyen 3 ans. 3 ans? Oui, yo nomme pour 3 ans. Kounya lè l passé 3 ans. Si de 94 97 li fait 3 ans, 97 et 2000 et 3 ans, ainsi de suite. Kou n'y a, ou pral vi noue gon tendance, depuis là yon commencé avec mette directeur général AI, directeur a ka fait 2 ans, directeur a ka fait 1 an, 6 mois, et puis c'est comme ça yon fait
yo fait changement yo. Mais des fois tout c'est pas même changement, c'est mutation, parce que l'on prend Léon Charles de 2004, li allé, après li retourné. Yo fait oublier toute dérive 2004 yo, et puis li retourné non qui année Léon Charles est retourné. 2019. 2020 Normil Rameau, oui 2020 retourné. Donc pour yon faire oublier Normil Rameau de 2020-2024 li retourné, on comprend yon pour un petit temps, yon fait bagay, yon fait nan façon pa yo, et puis là yon vle yon retourné avec nous. Donc c'est ça réalité. Donc nous avons un nouveau directeur général nan tête la police, hein? Rameau Normil. Donc nous pral tann pour nous voir qui ça pral bay. Compatriote ayisyen frèchèm, et bon montrer yon vidéo qui important. Vidéo ça li important parce que gen pil zanmi qui pral gen nostalgie, et nous pral tout connait, nous pral tout wè tout que Rameau Normil et que Rameau Normil li a gen pil travail pou le faire. Et pas vinn grand dans, c'est pas vinn parler, c'est pas vinn faire show off, mais c'est travail pour vinn travail. On va regarder ensemble avec moi. Vidéo ça. Là nous bon PI Market. Ça m'a regardé là, c'est PI Market sous Chanmas. Là c'est un 50 général. Bon 50 général là. Nous et pied bois levé en face PI Market. Mais PI Market. Mais pied bois qui levé dans toute zone là. Est-ce que nous moun ki là mais pomme gasoline qui était dans zone ça? N'importe où là sous Chalmas. Et là ça là nous bon PI Market. Ça m'a regardé là, c'est PI Market sous Chalmas. Donc n'a regardé, c'est un Chalmas qui tout non qui presque tout non jung. Vous comprenez? Son Chalmas et pas gain vie, son bout de territoire perdu. Donc presque pas gain vie, nous wè la rue enragée, poussée, pied bois levé, pas gain aucune activité. Moi même la vidéo ça, l'homme tombé sous cette vidéo ça, me dit moi, qu'est-ce que nèg yo veut faire pays? Qu'est-ce que nèg yo veut faire pays? Moi même songe compatriote haïtien frère sœur. Me songe après tremblement de terre 2010. Après 2010, moi même pensais Haïti pas t'a jamais gain aucun drame, Haïti pas t'a jamais gain division hin hang chire putain. Parce que tellement haïtien t'a commencé, moun yo t'a montré ou non seulement gros part de sensibilité parce que son drame qui t'a fait 12 janvier, mais non façon la vie t'a commencé reprendre, t'a gon fraternité, t'a gain on tête ensemble. Zé rete nous on déclin. Vin avec question matéli, bon, des questions zam nan retourné et puis journée jodi an nou la. Nous la journée aujourd'hui parce que nous j'ai l'impression nous pas comprendre et nous pas fin comprendre vraiment dans qui ça nous est journée aujourd'hui. PI Market pour zanmi qui konn fè et zone chan parce qui konn fréquenter market ça. Là on le PI Market là pas pour li pas pour non pour belle toile. Son market PI il était son zone qui était toujours fréquenté, qui était toujours plein monde. Nous songe moi même époque m'étais konn ap sot l'école, m'konn sot nan m'konn ap sot nan cours. Li kon bon ça ka arrive deuxième coup m'pral gagner professeur a pa vini et cetera moi m'pral rentrer la caille moi trois bonhomme dit non m'dit au lieu me faire tête en l'air bon m'descend mal fait en sous champ de mars monter descend après ça rentrer la caille moi après ça m'rentrer la caille moi parce que à l'époque t'ai gagné la vie à l'époque nous t'ai gon pays qui t'a fonctionné à l'époque t'ai gagné possibilité ou dit ah m'pa fan rien non bon m'poko après rentrer la caille moi bon mal sous champ de mars. Bon mal bo stade, bon mal achete un petit grillo, bon mal manje un petit barbecue, vous comprenez? T'es gen vie, la rue a ta fonctionné, pays a ta fonctionné, journée jodi a, m'ap gade des séries des zones. M'ap gade Maglo Amboise. Compatriote haïtien frère, c'est bagay pou ta crier. C'est bagay pou ta crier. M'ap gade la lu, compatriote haïtien frère chèm. La lu kote te toujours fè photocopie. Après PI, ou a toujours veillé côté gain et 50 cob en plus en moins. Côté gain un goût en moins pour aller faire copie. Ah oui, l'op aller avenue Christophe, ou avenue Christophe, t'es un petit restaurant. T'es un petit restaurant, t'es qu'on fait barbecue. Barbecue Jimmy Jerizé, non. Yo t'es qu'on passe pied bœuf et sous grill, yo fait des séries de grillades mes amis. M'songe le fait cal dans restaurant ça et ou konnen on fait juju on prend ti bay pour couper fourchette couteau non chef la vini dit non ouais si c'est comme ça manger
ou poko jam ap savoure et pied bœuf là. Yo vini avec sanitizer, tout bagay désinfecté, mais il dit c'est avec mais on pou pral. Depuis jour ça, chaque vendredi faut m'aller na avenue Christophe compatriote haïtien frère. Journée jodi a même point pou ou pa ka mete. Li pa fréquentable, li pa fréquenté. À cause qui ça, à cause gang, à cause bandi. Et c'est ça que fait l'homme dernier m'a dit de nous ça l'homme attendait président conseil Edgar Leblanc fils cap dit sous ces gang caché pas caché la police a privé sous on dit non on dit c'est pas deal c'est fait parce que ou même comme président conseil ou pas ca descendre dans palais national si ou parler qu'on soit pral mettre ma confiance ma gain intention à l'avenue Christophe ma gain intention à peut-être moi aller chez Masna c'est action pour poser ces résultats qui pour bail. Donc nostalgie ça aux compatriotes haïtiens parce que même regarder Haïti journée aujourd'hui, me dit qui ça nous fait n'a payer. Tellement bagaille yo grave, tellement bagaille yo compliqué. Compatriotes haïtiens frères chers, n'a avancé, nous gagnons 24 juin prochain qui a pour date important et premier ministre Garry Conille tout, c'est date ça libéral gagner pour le faire face avec une réalité, une dure réalité dans pays. Qui ça qui gagne 24 juin prochain? Et 24 juin 2021, président Jovenel Moïse, li te gagné pour le mettre en vigueur nouveau code pénal haïtien. Mais malheureusement, suite avec des contestations qui te gagné par bon côté société civile là, par bon côté divers secteurs dans vie nationale là, eh bien président Jovenel Moïse, il te dit non. OK, comme il y a des propositions qui fait, doit y a réforme qui fait dans code pénal là, etc. et ben nous camper. Il était campé sous décision pour yo et publier code pénal là. Et ben par la suite compatriote Haïtien Frèchem et yo vinn assassiner Jovenel Moïse en 2022 pour te promulguer rien pas fait en 2023 rien pas fait. Et bien année ça c'est année yo mette pour publication pour promulgation code pénal là pour li fait. Kounye a qui ça qui rive? Dans le nouveau code pénal haïtien, tu as un ensemble d'articles. Je songe, un an ou deux ans de ça, tu as fait émission sur ça. Tu es venu avec un article, tu as travaillé sur ensemble. Quand tu as un article, qui sujet à interprétation? Article, parce que le grand principe dans le droit pénal qui dit la loi pénale est d'interprétation stricte. Ça veut dire, pas de possibilité pour juger, pour l'interpréter, pour le bas sens livré, pour le bas sens pâle. Il est supposé appliquer ça qui dit, je le dis. Donc, le législateur, moun qui a écrit texte de loi, li suppose fel pour le pas sujet à interprétation, pour le pas paraître avantageux ni pour un camp ni pour un autre camp. Li doit clair, li doit concis, li doit précis. Eh bien, il y a un ensemble d'articles dans le nouveau code pénal. Il y a des gens qui ont le code pénal créé, le code pénal Jovenel Moïse et le code pénal débauche. Ancien sénateur Jaonel Senatuzo qui lui-même était demandé en rage, il dit faut que vous boule ça. Boule le code pénal là pour ne pas rentrer en application. Eh bien, nous avons l'église qui a fait le béton, fait manifestation pour nous dire nous n'avons pas de code pénal. Oui, nous avons un code pénal haïtien qui date depuis 1815 ou bien 1825. Et qui a gagné un paquet de temps. Qui a gagné des sanctions pécuniaires, l'argent supposé payer et en cas de dommage, etc. Ou a payé 10 goud, ou a payé 15 goud. Quand on content de bagay sa yo, ben longtemps. Eh bien, yo supposé venir avec nouveau amende, etc., etc. Ok, pas de problème. Eh bien, compatriote Haïtien Frèchem, comme dans le nouveau code pénal, la interprétation côté que, gertik, dans façon interprété, li dit que moun ka couché ak bet. Gertik, dans façon interprété, li dit que nyes ka pran tonton. Gertik ki dou et neveu ka pran ma tante, cousin ka pran cousine. Gertik ki dou gros paquet d'interprétation qui fait. Maman ka couché à petite, etc. Donc, interprétation ça automatiquement, yo a soulevé des débats dans la société. Clair. Interprétation ça c'est comme si ouvri porte bay débauche. C'est comme si interprétation ça yo et l'on fait li dou que si deux moun ki homo yo vin dans l'église ou pas marié yo ou doit prendre amende ou doit yo doit arrêter tout ça parce que article yo sujet à interprétation yo pas clair assez. Eh bien dans ce sens nous te gagné
Bishop Grégory lui-même qui t'a mis tes pétitions dehors et qui t'a demandé moun yo pour yo contester, pour yo mobiliser toute force yo, toute énergie yo, pour yo empêcher code pénal là, pour yo publier, pour yo mettre en vigueur, pour le promulguer tout ça. Eh bien, nous gagnons Bishop Grégory qui lui-même compatriote haïtien frère Sam qui parlait encore. Il parlait quelques jours avant même que le 24 juin il arrive sous nous. Nous prenons le temps de qui position l'Église, et nous prenons une idée de correction que lui-même lui demandait qui pour faire dans le nouveau code pénal. On va le temps dire ça. Comme quoi c'est depuis en 2021. Donc nous commençons à mener une bataille sous le code pénal. Ça. Donc rapidement, raison qui fait nous mentionner la soirée. C'est que depuis l'heure nous avons fait des objections par rapport à code ça, président Jovenel, l'heure t'a fait sortir, nous songe nous t'ai fait toute une pétition qui t'est sorti, plus de 5 et quelques mille personnes t'ai signé. Après ça, président Jovenel t'a réagi, l'été voyé ministre des Affaires étrangères n'attend ça pour fond chita. Parler, je te parle avec plusieurs monde dans ce secteur là, mais parmi lesquels nous-mêmes. Donc pour te dire, ok, mais qui pour te expliquer, mais qui ça qui nuit nous par rapport avec code là. Également premier ministre n'entend ça, etc. Après plusieurs consultations, non pas plusieurs, mais après consultations que nous avons fait, nous avons expliqué position nous. Président Jovenel t'a demandé que nous t'ai modifié et code pénal. C'est pas que code pénal là pas bon, li pas mérité rien, définitivement le mérité rien. Année prochaine, si Dieu le veut, va le faire code pénal là. 2025, va le faire code pénal ça. Donc 190 ans. Donc cela veut dire yon code pénal qui non pays qui gagne 180, qui vieux de 190 ans. Ça veut dire qu'il y a un crime qui existe aujourd'hui, ya, que 190 ans de cela, y a pas de gens penser avec. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, pas de monde qui ne parle pas d'il, pas besoin de réviser. Mais ça qui a un problème, c'est ça qui a fourré là-dedans pendant qu'il a révisé. C'est tête chargée qui a fourré là-dedans. Donc, qui a un problème. Donc, il y a de bonnes choses qui là-dedans. Vous comprenez moins, il y a tout. Vous comprenez moins, donc, il y a qui bon. Comme nous disons, par exemple, dans le code pénal que nous avons, il y a une infraction que nous avons commise. Vous comprenez moins, et puis il y a des gens qui ont amendé 10 gouttes pour le payer. Donc, pour nous payer 10 gouttes, ça veut dire que c'est un rôle d'argent pour le payer. Donc, 10 gouttes, un paquet de bagages, 190 ans de cela, 10 gouttes, un paquet de corps. Je dis, il n'y a pas de représentant. Rien. Donc, moi, je dis tout ça pour vous dire que oui, il mérite pour lui update ou des mises à jour. Mais en même temps, tout, il y a une série de ajouts là-dedans qui baille problème. Donc, nous connaissons que, je vais quelques exemples. Donc, par exemple, Yuna article que yo gagne c'est article 301, n'est-ce pas? Dans nouveau code pénal là, donc sous remarquez là, il dit le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal est passible d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 50 à 100 000 gourdes. Donc, c'est ça qui est dans le code pénal. Mais est-ce qu'on remarque ça? Le fait de forcer une personne à commettre un acte sexuel avec un animal, le fait de forcer, ça veut dire si vous pas forcé, m'en forme? Mais c'est ça le dit là. Pas quoi besoin, vous comprenez moi? Même si vous prenez un avocat, vous ne comprenez ça que dit là. Il dit clair, le fait de forcer, si vous pas forcé, hein? Ou pas carré, donc cela veut dire gros porte qui ouvert là. Si moun vle commencer coucher avec bête dans pays là, coucher avec chien, coucher avec cabrit, mais gros porte qui ouvert là. Interprétation. Est-ce que n'avait même? Et nous-mêmes dans haïtien, ça ne doit pas dans culture nous. Nous doit sentir nous pas concerné parce que ça pas dans culture nous. Mais en même temps, conseil de paquet de pays dans le monde qui fin pourri, cap chercher pays qui gagne le type de loi ça yo, côté au cas vin fait bordel yo.
Donc l'orgon loi qui passe dans pays comme ça, même si c'est pas haïtien qui va le faire, mais moun bral vini kounya, yo bral fait tourisme sexuel et puis moun qui veut coucher avec chien, avec chat, avec bagay, que l'autre pays ne doit pas permettre ça, mais yo bral vini faire dans pays d'Haïti. Est-ce que nous comprenons un jeu là, hein? Et là moun fin faire kounya, l'el couche avec chien, c'est pas avec chien seulement l'el coucher. L'a couche avec chien, après ça l'bal couche avec fille. Après ça l'bal couche avec garçon. Et puis maladie dans pays là. Est-ce que nous avons là? Ça n'a pas défendu là. C'est pas. Et bon, c'est au bagage, c'est protestant qui va. C'est pas une question de protestant qui va défendre là. Son question sécurité yon pays. Nous déjà un problème déjà. Nous pas un système de santé qui solide. Nous pas un hôpital. Nous pas un bagage. Côté monde qui a commencé à le coucher avec chair, avec chat, avec toute qualité de vie maladie. Et puis pour propager dans le pays. Donc, ou pas qu'un code qui entre comme ça en vigueur dans le pays. Donc, c'est ça qui fait que donc nous-mêmes. Après bagasse au passé, président Jovenel te mandé nous qui ça nous te vle, nous te réécrit certaines lois et puis nous te bali comme proposition. Donc par exemple, sous garde sous côté là, nous te mandé article 301 pour yo réviser le consa. Pour yo dit quiconque commet volontairement un acte sexuel avec un animal est passible d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et un etc etc. Est-ce que ça va? Donc, il y a plusieurs articles dans le code là. Côté nous te fait des propositions, nous te dit comme ça et réécrit comme ça de préférence. Pas de monde qui pas dit que le code pénal a besoin d'update. Pas de monde qui pas dit qu'il n'a pas besoin de mise à jour. Mais, porte qui ouvert yo là, yo dangereuse pour la société. Bam montrer où yon l'autre article comme ça, lui-même, lui touche directement l'église. C'est pas seulement la société. Ya. Mais il touchait directement l'église. Ça, c'est article 362 dans le nouveau code pénal. Là, on connecte là avec. Article 362, il dit constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine. Pas de problème là. Ou pas qu'à discriminer sous origine, mon nom. Vous comprenez? En raison de leur sexe, pas de problème là, si mon homme, si femme. En raison de leur situation familiale, nous pas de problème parce que mon homme pauvre, parce que le riche. Mais ils ont ajouté, en raison de leur mœurs. De leur orientation sexuelle. Ça veut dire qu'il faut m'accepter mes soins. Et leur orientation sexuelle. Orientation sexuelle, ça veut dire qu'ils sont choisis pour y aller. Yes. Donc là, ils ont dit là, n'importe distinction qu'on fait sous base ça, yo. C'est une discrimination. Est-ce que n'avait main n'importe et puis Kounia garder 262 après le film dit ça discrimination Kounia mel dit mais qui peine yo gagné mais qui pénalité yo gagné peine yo gagné pour moun qui coupable de discrimination. Li dit 263 dit la discrimination définie dans l'article 362 que nous appelons sous lia commise à l'égard d'une personne physique, ça veut dire un monde comme moi-même, ou bien morale, ça veut dire capable d'organisation, est passible d'un emprisonnement de 1 à 3 ans. Ça veut dire souvent, 1 à 3 ans, bon, continuer l'île, 1 à 3 ans, et d'une amende de 50 000 gourdes ou de 75 000 gourdes, lorsqu'elle consiste, numéro 1, qui sa discrimination est, à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service. Ça veut dire, sous vin devant, avec mes sous, et pour vin demander marié ou son service, et puis me dit, pas marié ou. Ça veut dire, là, moi capable de amende de 50 à 75 000 gouttes, plus 1 à 3 ans prison, parce que je ne suis pas d'accord, marié ou selon mes sous. Nous, à l'heure qui s'appelle, est-ce que vous avez mis jusqu'à présent? Fifi, bien sûr. Numéro 3. Il dit discrimination, c'est refuser la fourniture de biens. Numéro 2, numéro 3, ou bien il dit à refuser d'embaucher. Ça veut dire que je suis pasteur d'église, et puis je suis secrétaire, et puis je n'ai pas arrêté mes gosses moustache, et puis tu vas les dire, là, je suis derrière, et puis il dit que je suis secrétaire. Ok, il dit que je suis secrétaire de l'église là. Quand je dis que je ne suis pas embauché, je suis allé en prison. Mais est-ce qu'on va faire comme ça, c'est acceptable dans la société?
Voilà. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, nous camper là parce que extrait ça m'était venu nous tant déli. Et parce que journée aujourd'hui, nous supposer poser et bonne question. Est-ce que nouveau code pénal là et c'est nouveau code pénal là qui pas bon dans l'ensemble? Non, nouveau code pénal là dans l'ensemble. Son travail qui fait son travail qui évolutif. Ça veut dire qui ça? Nous sorti non point A non point B, gagne nouvelle infraction que yo prend en considération, infraction qui basé sous technologie et moun qui a fait scam yo, moun qui est scammers yo, tout ça, moun qui a fait fraude électronique, fraude informatique, fraude bancaire, tout ça. Gagne un paquet update en termes d'infraction par rapport avec évolution qui gagne à travers monde là. Cependant, est-ce que nouveau code pénal il y a des failles? Oui, il y a des failles. Son production humaine, c'est moun qui a écrit. Et le législateur li écrit suivant conception pâle de réalité, suivant perception pâle de réalité, donc ka toujours gen failli. Si moun nan par exemple, hier m te prend exemple comme ça, si moun nan qui a écrit le législateur là, li c'est vaudouisant. Li ka toujours écrit article, li ka toujours pour une loi et qui désavantage et catholique ou protestant. Si son protestant qu'a fait, il qu'a toujours pour une loi qui bail plus avantage avec protestant pareil, catholique pareil, etc. et puis vaudouisant yo même yo réprimé yo. C'est production humaine, c'est ça que fait toujours dou le on loi écrit, li pa, surtout loi pénale yo pas doit gagner sujet pour interpréter. Pas doit gagner sujet à débat. Li doit clair, li doit précis, li doit permettre à ce que moun ki ap li lan li comprenne par A plus B qui ça et moun ki écrit et texte qui ça te veut dire. Donc moun ki ap critique dans l'ensemble pour dire code pénal là pas doit sortir 24 juin etc., son code débauche, préfère nous prendre un petit temps. Soit nous chercher code là nous lire, nous faire même genre avec et Bishop Grégory avec un paquet l'autre moun soulever relever article qui sujet à interprétation yo mandé corriger yo et si moun ya yo pas corriger yo nou ka toujours empêcher que publication en fait mais cependant c'est pas code pénal dans l'ensemble qui pas bon gen des articles qui méritaient pour yo passer mais gen des articles qui méritaient pour yo reconsidérer tout ça mais est-ce que son bon travail dans l'ensemble que président Jovenel Moïse te fait oui mais tout ça qui vient pour avec mauvaise mœurs, mauvaise pratique, question bail et homosexualité que yo ta renmen vinn imposer massi mardi, yo ta renmen vinn imposer dans pays, nous ka toujours réprimer, nous ka toujours camper contre. C'est droit nous parce que moi même ouais journée aujourd'hui là. Ouais, moi même imaginez nous, fin grand monde. Mais il y a des séries de conversations. Allez ou pas avec parents, il y a des séries de paroles. C'est entre amis ou kabale, oui. Même l'autre a dit cool, papote ka cool, etc. Nous parle tout bagay. Ah! Gede série de bagay ou pa ka kampe, parce que ou ap se tout embarrasse, ou ap se tout gêné pour dire série de bagay nan figi parent. Parce que en Haïti, en pile parent, pas dit tout, mais majorité parent haïtien, yo leve petit yo avec on moralité yo leve petit yo non ambiance de moralité yo pa prendre pas de bagaille nan mon ou pa ka di n'importe bagaille devant et d'ailleurs pa j'en fin grand monde ou pa j'en fin grand monde pour yo donc effectivement gen des séries de bagaille gen des séries de articles qui supposé reconsidérer et c'est là premier ministre Garry Conille il pral prendre premier baptême de feu li et par rapport avec question code pénal ça tout dépend de façon li même li considérer pour 24 juin compatriotes haïtiens frères sœurs. C'est là n'a mettez en bout dans l'émission pour aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour me porter information si là pour nous te parler pays pour nous te et garder qui ça qui a dominé actualité comme et fait ça. Rendez-vous à la casse dans une autre vidéo, restez connectés à la chaîne là pour la programmation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel Paula pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle pays, nous bras le débat. Thank you.
même Yannick l'a même voix.